Merci. Tout d'abord, vous nous permettrez de remercier les populations de Kolda qui sont sorties massivement répondre à cet appel-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la marche, nous avions trois objectifs. Le premier, c'était justement de montrer aux populations de Kolda que cette démarche nouvelle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire d'avoir uni nos forces, le responsable Pablo Ligué et moi, au bénéfice des intérêts des populations de Kolda, nous voulions le manifester aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Le contexte de la pandémie fait que, en principe, des meetings pouvaient davantage exposer des populations vulnérables, surtout dans des localités comme les nôtres, où l'accès aux soins est assez difficile. Et je pense que la réponse qu'ont donné les jeunes plutôt à cette belle démarche est assez illustrative de l'espoir qui est placé en nous. Et j'espère que nous n'allons pas décevoir ça. Je les félicite, je félicite toutes les personnes qui ont marché avec nous dans la discipline et dans l'humilité. Donc ça prouve déjà qu'au Sénégal, on peut marcher sans brûler des pneus, on peut montrer sa force ou sa détermination à un combat citoyen et politique sans avoir besoin d'être violent. Parce que en réalité, les derniers événements, et d'ailleurs c'est ça qui concourt à la deuxième raison de cette marche-là, les derniers événements ont semblé faire dire à certains experts que le président de la République, Macky Sall, est scellé. Et à l'échelle de Kolda, si vous avez déjà une marche faite par deux responsables politiques, même s'ils sont d'envergure, hein, si vous mettez tous les autres responsables dans une même dynamique, vous saurez qu'il est largement majoritaire à Kolda. Donc c'est une marche aussi de soutien pour montrer au président de la République que le sens des derniers événements, outre le traitement politique qui en a été fait, hein, puisqu'il a compris le message adressé surtout par les jeunes et les couches vulnérables, qu'il faudrait qu'on puisse saisir la balle au rebond et lui dire tout notre soutien dans cette épreuve pour pouvoir l'accompagner afin de prendre des mesures pertinentes. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui aussi, nous pensons que Kolda est une des régions les plus desservies du Sénégal. Et Kolda fait partie de la Casamance. Quand on parle de la crise casamançaise et éventuellement du traitement qu'il faut en apporter en termes de commodités ou de projets et programmes, on est très souvent laissé en rade. Et aussi, c'est une des régions qui souffre le plus, qui paye le plus lourd tribut à l'immigration clandestine. Ce sont nos enfants qui meurent dans le désert libyen, dans le désert algérien, dans le désert marocain et mauritanien. Ce sont les enfants de Kolda. Ce sont nos enfants aussi qui sont dans la précarité dans ces conditions-là. Et que dans ce combat-là, nous devons aussi être les avocats de la jeunesse de Kolda pour dire que les opportunités qui doivent se présenter dans les 2 à 3 années à venir en termes de politique publique en direction des jeunes et des couches vulnérables doivent nécessairement prendre en compte les intérêts de la jeunesse de Kolda, les intérêts de la région de Kolda. Pour ça, c'est ce plaidoyer-là aussi qu'on doit faire, mais
C'est pourquoi nous avons fait un appel à la jeunesse de Kolda en général, sans connotation politique, pour qu'elle puisse accepter de discuter autour de ce qui doit être pertinent comme approche en termes de besoin de formation, en termes de besoin de capacitation, en termes de besoin de financement, pour que le président de la République puisse prendre ça en compte dans les projets de programme à venir. Et enfin, c'était l'occasion pour nous, parce qu'il y a un, excusez-moi du terme, il y a un sale débat, je pèse mes mots, il y a un sale débat qui est insidieusement mené par certaines élites qui ne connaissent rien de la Casamance, absolument rien de la Casamance. Mm-hmm. Parce que cette Casamance, elle est animiste, elle est catholique, elle est musulmane. Mais elle ne fait pas état de sa diversité. Elle est belle parce qu'elle est une. Elle est belle parce que chrétien et musulman cohabitent. Elle est belle parce que Djola, Manjak, Bainouk, Balant, Mandenk, Peul, Wolof, etc. cohabitent. Nous sommes une des rares régions où vous pouvez compter à Ziguinchor des maires qui sont Peul. À Kolda, des maires qui sont d'origine Wolof, ou à Sédiou, des maires qui sont d'origine Peul. Donc ça vous montre que nous, nous avons accepté d'être une, en fusion et que ce discours qui est en train d'être tenu ne doit pas prospérer chez nous. Si nous ne prenons pas en charge cette question-là, ils vont venir nous diviser à l'interne. Et c'est pourquoi je m'adresse à la jeunesse de la Casamance, pour qu'elle comprenne que ce que nous avons hérité de nos ancêtres, qui a été perpétué par nos parents, c'est cette belle fusion qu'il y a entre nous. C'est ce manque de distinction selon nos origines ethniques, selon nos diversités culturelles ou religieuses. Et que c'est un socle sur lequel on doit être assis, un ciment solide qu'on doit perpétuer. Donc je lance un appel à cette jeunesse-là, et qu'elle n'accepte pas d'être divisée, qu'elle comprenne aussi que le Sénégal est un et indivisible, et que toutes ces démarches-là doivent être dénoncées avec courage. Donc voilà un peu le sens de cette initiative d'aujourd'hui, étant entendu que nous espérons mener un grand meeting de concert avec toute la coalition Benno Bokyakar. Les démarches sont en cours et ce sont des initiatives conjointes qui sont faites par tous les leaders. Nous espérons tenir ce meeting de soutien d'envergure à l'action du président de la République. Et en même temps, nous prendrons ce meeting pour en faire une tribune, un plaidoyer pour la jeunesse de la région de Kolda.